Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 24 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, vous allez répéter 3 fois cette phrase. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Vous le dites encore 2 fois. Pour commencer votre journée. J'ai pigé. Reconnais-toi. 2e chakra, couleur orange, le chakra de la confiance en soi. C'est le chakra sacré. Et il se trouve au-dessus de l'os pubien. Et ce chakra, eh bien, est le centre des émotions et des pulsions. Et il parle, eh bien, de notre rapport avec les autres. Ce chakra harmonieux, bien équilibré, bien aligné, eh bien, il indique une bonne gestion des émotions et une très bonne vitalité qui est très saine, mais aussi et surtout un niveau de confiance personnelle stable qui fait, eh bien, accéder à un rapport harmonieux avec les autres et à la faculté de prendre du plaisir. C'est ainsi que vous vous adaptez à la mouvance de la vie avec spontanéité et joie. Et ce chakra, lorsqu'il est mal équilibré, qu'il est en déséquilibre, eh bien, il manifeste une notion de culpabilité accentuée du fait de ne pas vous sentir à la hauteur. En fait, vous ne respectez pas le sacré en vous, c'est-à-dire vos valeurs, vos convictions, vos envies, vos désirs, et vous êtes hyper émotif. Et c'est ainsi que naît une attitude tendue envers les autres, avec des rapports de force inévitables, n'est-ce pas? Vous vous placez soit, eh bien, au-dessus, ou soit en dessous de l'autre. En fait, il faut avoir un juste milieu. Sa solution est bien prendre conscience de votre valeur intérieure infinie en comprenant que vous êtes l'égal des autres, en veillant bien à ne pas nourrir eh bien, votre ego outre mesure. Reconnais-toi. Tu penses en général que tu n'es pas à la hauteur et tu as du mal à être fier de qui tu es. La reconnaissance des autres est essentielle pour toi, car elle t'aide à identifier ta valeur. Chose qui arrive, hélas, rarement, car les autres te renvoient au millième ce que tu vaux réellement, tant que tu ne t'es pas reconnu toi-même. Ça vient peut-être de votre petite enfance, n'est-ce pas? Aussi longtemps, pour certains d'entre vous, que tu mettras de la distance entre qui tu es vraiment et ce que tu vois de toi, eh bien, tu seras dans ta non-reconnaissance. La solution, eh bien, reconnaître en toi-même ce que tu attends que les autres reconnaissent chez toi. Alors aujourd'hui, eh bien, reconnais ce que tu as de plus puissant, de plus juste et de plus vrai, pour ne plus jamais, jamais attendre
que les autres le révèlent à ta place. Et c'est ainsi, c'est alors que la reconnaissance extérieure pleuvra. Reconnaître toi-même. Reconnais en toi ce que tu es et n'attends pas les autres. Très, très, très beau message encore une fois, n'est-ce pas? Toute cette partie d'ombre que cet oracle nous donne la possibilité de mettre en lumière. C'est formidable, n'est-ce pas? Il nous donne les outils et c'est à nous de faire le travail. Mais c'est magnifique d'avoir les outils. Remercions l'univers. Allez, je termine avec ne plus avoir peur. Lorsque quelqu'un me fait peur, je m'attache à le comprendre au lieu de le fuir et de le rejeter. Avoir peur de quelqu'un, c'est souvent avoir peur d'une partie de soi-même, en comprenant ce qui le pousse à être trompeur, méchant, brutal. Je me détache de mon émotion et je me familiarise avec mes propres zones d'ombre. Vous savez, on est toujours un miroir de l'autre, hein? Et c'est que nous avons une résonance. Donc, il faut travailler sur cela. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous dans la douceur. C'est tellement important. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.